begun. Revenge will surely come. Oh, hard times are ahead. Best, we've got to be the best. We've got to change the world and use this chance. Très épaisse pour pas qu'elle se déforme. Oui. Donc quand c'est des grands formats, je travaille en tendant le papier sur châssis. Comme on fait pour la peinture à huile, c'est-à-dire on les agrafe à l'opposé. Ah oui, bon, on va se lancer. Donc je vais m'arrêter à la ligne d'horizon. J'aime bien mélanger directement les couleurs sur le papier. Auréoline, rose permanent, ce sont deux couleurs transparentes. Rentre vraiment dans le papier. Le jaune est repris par le rose, donc ça empêche de virer au vert quand on met le bleu dessus. D'accord. Ne pas oublier que les oiseaux, là, ils seront blancs, donc pour qu'ils ressortent, il faut mettre du foncé à cet endroit. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de rose là. Pour foncer à cet endroit. Vérifie chaque fois que ça ne sèche pas trop vite. Je maintiens l'eau le plus longtemps possible pour pouvoir y travailler. Si je veux donner un mouvement, je vais l'incliner sur la diagonale. Ce serait intéressant puisque les oiseaux partent comme ça. Donc je vais l'incliner un peu comme ça. Thank you.
passage, mais pas partout. Il y a des certains endroits où je laisse un petit peu de blanc. On voit que le temps est humide, hein, ça sèche pas bien. Alors, quand c'est mouillé comme ça, ensuite, il faut travailler avec moins d'eau sur le pinceau. Puisque l'eau elle est sur le papier, il faut donc que l'équilibre avec le pinceau et le pinceau soit moins chargé d'eau. De temps en temps. Donc ça part. Donc là c'est une couleur un peu pâteuse. Hein. Remonter à la surface du papier le pigment et ensuite on l'enlève. Si on amène avec un pinceau trop sec, en fait on étale le pigment mais on l'enlève pas. Donc c'est l'eau qui enlève. Donc il faut amener une goutte, mais si on la laisse, la goutte, je suis en train de la faire là, elle fait une auréole. Donc il faut assécher le centre pour que on amène l'eau, elle va faire une vague. Le pigment, on assèche le centre, hop, elle revient au milieu. Et c'est ce qui permet d'ouvrir un blanc, mais de contrôler ce blanc. Là, si on veut travailler en négatif, et qu'on veut réouvrir par exemple des blancs dans cette masse, c'est possible. Alors, dernière étape, je vais sécher. Sécher trop près parce que le séchoir cuit. Ça cuit le drawing gum et ça le fait rentrer dans le papier et après on peut plus l'enlever. Mettre en valeur le sujet principal, c'est quand même les oiseaux. Ce que je ferai, c'est je soulignerai un petit peu l'ombre sous les oiseaux pour mettre en valeur le blanc. Il y a la couleur de l'eau qui a aussi sa couleur. Il y a le reflet du ciel sur la surface. C'est pour ça que quelquefois vous voyez de l'eau vraiment très bleue quand le ciel est très bleu. Et puis il y a la surface. Et la surface, c'est toujours à l'horizontale. Donc là, les traits que je fais qui sont à la surface de l'eau, les bitrides, tout ça, il faut que ce soit parfaitement horizontal. Alors que les reflets, ils se font dans la profondeur de l'eau, donc il faut qu'ils soient verticaux. On peut travailler, faire un tableau avec infiniment de nuances, avec trois couleurs. Il suffit simplement de varier le dosage. Donc si je fonce, je ne sais pas si vous le voyez, mais si je fonce un petit peu le bas, ça va ramener le regard un peu plus vers mon sujet.